Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet de la deuxième partie des défis de Rift Tour. Alors le premier défi va vous demander de faire des parties avec des amis. Vous allez devoir faire 10 parties avec des amis. Donc pour ce faire, vous allez en duo, trio ou section. Et ensuite, vous invitez votre ami à faire 10 parties. Quand vous aurez terminé le défi, vous débloquerez 30 000 XP. Alors le deuxième défi va vous demander d'ouvrir un coffre cosmique. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un coffre cosmique. Mais les coffres cosmiques sont très difficiles à obtenir. Parce que tout simplement, il n'y en a qu'un seul qui apparaît par partie. Et ils n'apparaissent qu'en duo, trio ou section. Alors une petite astuce pour les trouver, si vous passez à côté d'un coffre cosmique, sur la minimap en haut à gauche et même sur votre écran normalement, il est marqué qu'un coffre cosmique est dans les alentours. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre au coffre cosmique et là il va falloir comprendre comment l'ouvrir parce qu'en fait il va être enfermé dans un cristal et vous allez devoir frapper avec votre pioche sur chaque côté du cristal mais dans un ordre bien précis. Donc par exemple, le joueur 1 va frapper un côté du cristal et après pour le joueur 2, il y aura une cible qui apparaîtra. Donc ce sera au joueur 2 de taper la cible, puis après la cible apparaîtra pour le joueur 1, donc le joueur 1 tape sa cible et ainsi de suite jusqu'à temps de taper toutes les cibles du cristal. Quand vous avez frappé toutes les cibles du cristal, le coffre cosmique s'ouvrira et vous obtiendrez blindé de loot. Alors cependant, pour réaliser ce défi, vous allez devoir ouvrir deux coffres cosmiques, donc ça va être deux fois plus galère. Mais quand vous aurez réussi à ouvrir deux coffres cosmiques, ben là vous débloquerez 30 000 XP. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'utiliser une dalle holographique extraterrestre à Risky Reels ou au bureau du shérif. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Risky Reels. Là où je me trouve sur le gameplay, il y a une dalle holographique, mais là elle est désactivée. Quand le défi sera disponible, elle sera bien entendu activée. Vous aurez juste à passer dessus pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Alors l'emplacement du bureau du shérif, je ne suis pas sûr, mais c'est possible qu'il se trouve à Weeping Woods. Donc si vous voulez, vous pouvez vous rendre à cet emplacement-là, essayer l'emplacement pour voir si ça valide le défi. Et si ça valide le défi, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc l'emplacement de la dalle, vous la voyez dans le gameplay, vous l'utilisez et vous allez voir que ça va vous transformer en une sorte de bubblegum. Et le quatrième et dernier défi va vous demander d'accomplir des quêtes post-Rift Tour. Alors les quêtes post-Rift Tour, c'est tout simplement les défis qui sont apparus avant que l'événement Rift Tour commence. Donc c'est ces trois défis-là que vous pouvez voir. Et vous pourrez aussi faire celui-là, je pense, quand le Rift Tour sera disponible. Donc il faudra réaliser ces quatre défis. Si bien entendu vous ne savez pas comment réaliser ces quatre défis, je vous mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous explique comment réaliser ces trois défis-là. Donc voilà, vous avez juste à aller regarder la vidéo qui est en description pour terminer ces trois défis et débloquer les trois récompenses. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao, peace.